Et bonsoir à tous, chers amis, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du Let's Play Halo Infinite. Je suis Fred et je suis ravi de vous retrouver du coup pour la deuxième partie du niveau La Tour. Non, du coup, j'étais rentré à l'intérieur de la tour et on était sur le point d'analyser ce qui semble être les restes d'une armure d'un Spartan. Et du coup, c'est parti! Capteur de menace portatif. Il semble verrouiller et mettre en surbrillance toutes les cibles à portée. Ça va nous être utile. Ça va être utile. Ça va être. Cette armure appartenait à un Spartan nommé Hudson Griffin. D'après les données de son capteur, il était vivant quand l'armure a été enlevée, de force. Ça va faire mal. C'est sûr, mais il est peut-être encore en vie. Attention, ça va aller très vite. Attaque ennemi. Ah, la prison se met en état d'alerte. Tout de suite buter le berserker. Et c'est parti. On voit que dalle. Normalement, il y a des cages. Ouais, il y a les casiers de points d'arrestation ici et un autre. Et un autre en bas. De la part d'un élite spécialiste de la torture. Désolé, je baille. J'essaie de les localiser quand même, les trucs, ce serait bien. Plusieurs étages à monter. Est-ce que vous avez raison? C'était facile. Un signal, un appât, et le major à la cour. C'était un piège. Dégage. Ah, et voilà. Je crois que l'autre doit être tout en bas. Hein. J'ai pas dû faire gaffe. Je vais peut-être aller voir parce que je serais pas contre une amélioration en vérité. Attendez. Ce que je vais faire. C'est celui-là qu'il me faut. Ça m'a dit tout en haut, mais c'est pas tout en haut. Du coup, on va descendre. Parce qu'il y a la tour, mais c'est sous la tour. Forcément, ça me met le... Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. J'en profite parce que je sais que j'ai le temps et que de toute façon, voilà, c'est pas le truc. C'est pas la mission qui prend le plus de temps dans tous les cas. Donc, voilà, donc là, actuellement, on est dans une prison. C'est là d'ailleurs. Juste en dessous. C'est dans ce truc, dans ce conteneur. Effectivement, c'était bien planqué un peu.
comme ça je vais pouvoir augmenter à fond mon truc. Capteur de menace, ce sera pas un moindre mal pour tuer Chaklok. Des cellules partout, les escaliers surtout. Et voilà. Oh non, le Spartan Griffin, il est encore en vie. Nous devons le sortir de là. Où est Chaklok? Pas d'infos. On va s'en occuper, on va juste quand même préparer notre... J'ai dû envoyer les Marines assaut. Je vais quand même m'occuper de mon tracker. Une deuxième charge, je ne suis pas contre. J'aurais peut-être dû mettre un peu pour le bouclier, mais bon, ce n'est pas grave. Oui, j'arrive. Je vais tout de suite l'équiper. Voilà. J'ai des munitions, on est bon. Il a vraiment l'air de verrouiller. Allez, c'est parti. Bienvenue dans ma tour, Major. C'est ici que je vais te briser. C'est ici que tu vas me livrer tes secrets. Bien sûr, rêve. Oh, faut faire rien parce que voilà, il peut faire de sacrés... Les murs se sont rétractés. Le danger peut venir de partout. Il y a quand même un foutu... Il a une fâcheuse tendance à courir vraiment partout en plus, c'est con. Il fait pas très mal. J'ai essayé vraiment de lui mettre là. Ouh. Alors en vrai, bon, j'ai un peu présumé de la menace de Chaklok. Faut le faire sortir de cette machine. Parce que c'est vrai que bon, c'est assez facile à avoir, mais c'est assez... C'est pas flippant. D'ailleurs, Chaklok, c'est le seul élite qui a vraiment un reflet vraiment doré comme ça sur, ses, sur son armure. Les autres sont un peu plus pâles. Seigneur de guerre. Allez, ouais, ils ont vraiment les tables de torture et tout, mais ils sont malades. Juste checker un petit peu vite fait le... L'undersuit quand même est vachement... Doit pas être la plus confortable. Ouais, c'est parti. Séquence émotion, attention. Désactive-moi ça. C'est ce que je fais. Ok. Tenez-vous prêt, je vais le libérer. Vous êtes en vie. Major, les parias, j'ai essayé de les arrêter. J'ai voulu... Doucement, tout va bien maintenant. Les parias, ils ont un lieu qui s'appelle le conservatoire. C'est tout ce que je sais. Le visage est quand même très bien fait, hein, les gouttes de sueur, les cheveux qui sont rasés de frais. C'est comme si c'était fait. Très bien. Bien. Les autres, les Spartans. Est-ce que... Je les trouverai. Écho 216, à vous. Vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Thank you.
Major. Major, votre détecteur de mouvement ne bouge pas. Pourquoi la luminosité de la salle à chaque fois elle oscille comme ça? Major, je... C'est un peu idiot, je trouve. Répondez, je vous en prie. Vous avez trouvé la source du signal. Quoi que vous ayez trouvé, vous devez soit l'emmener, soit l'abandonner. Vous me recevez? Un site de fouille sur l'anneau? Ce conservatoire doit être une sorte d'installation Forerunner. Qu'est-ce que vous croyez qu'il cherche? Il est temps d'y aller. Bon bah voilà pour la tour. Bon bah Griffin hein, repose en paix. Donc voilà à quoi ressemble un Spartan sans son armure en fait hein, avec l'undersuit. C'est quand même vachement... C'est une armure sous l'armure quoi ce truc. Repose en paix Hudson. C'est quand même bien foutu. Allez, let's go. Il nous reste encore un peu de boulot avant de quitter cette région. À mon avis, quoi que soit le conservatoire, les parias n'auront pas envie qu'on s'en approche. Merde, les Marines. Alors, ils ne vont pas être contents. Comme vous dites. Oh, punaise. Bon, du coup, techniquement, on devrait aller par là-bas pour continuer la campagne. Mais comme je l'ai dit, il reste encore des choses à faire. Et on a notamment Briglar, dit le meneur, qui est là et qui est du coup à détruire. Donc ce sera l'avant-dernière mission qu'on fera sur Steel. Et puis après, on fera l'ensemble du secteur verrouillage, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un terme à cet épisode, le niveau la tour est terminé, puis je vais faire du coup un épisode dédié au boss Briglar comme je l'ai fait pour Okro Vagadoun. Voilà, ce sera également je pense le dernier épisode de cette deuxième session d'enregistrement. Je finirai le reste de l'île plus tard, ça me laissera aussi le temps de voir vos retours concernant le format que je vais prendre pour cette campagne tout simplement. Du coup, c'est parti. Je vous remercie, comme d'habitude, pour votre intérêt et votre engouement, votre fidélité sur ces épisodes. J'espère que l'aventure vous plaît toujours autant. J'espère que vous avez toujours la motivation de suivre cette aventure, malgré cette campagne, justement, comme j'ai dit, un petit peu particulière. Mais bon, après, ça se joue quand même. On n'est pas non plus sur Halo 5. N'hésitez pas donc à donner votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette dernière autour de vous. Je vous remercie d'avance pour cela, ça m'aide énormément, et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et votre présence sur mes vidéos, et aussi sur mes lives, pour ceux qui viennent sur les lives. Je vous dis à très bientôt, salut à tous.